en attendant ici. Et là, on va mettre les chemises. On va enlever tout ce qui est les t-shirts. Oui. Tu mets la couleur. Je mets celle d'abord. Ouais, c'est ça. Tu mets le blanc. Attends, je vais voir. Je mets le blanc. Non, je mets orange le blanc. Ouais. Et alors, je mets le brun et le bleu. Super, c'est pas? C'est génial. Je les apporte maintenant? Attends. Qu'est-ce que tu as pour demander à leur t-shirt? Tiens, 12 secondes. Ça va bien. Ouais. Par contre, si je dois refaire un. Je m'appelle Sarah. J'ai 21 ans. Je travaille chez CEA. Et donc, je vais à l'école au CEFA. C'est ma sixième année, c'est ma dernière année en fait. Il y a tous les points rouges, on doit mettre... On doit changer. On doit mettre les prix qui doivent être là, normalement. D'accord, ça va. Okay. On va le faire ensemble. Alors, on doit regarder ici. Normalement, tu as le premier meuble, le deuxième meuble, le troisième meuble et le quatrième meuble, on doit mettre un prix. C'est dans la marque Jessica. Donc, un, deux, trois, et quatre. Ah oui, là-bas. Ouais. Okay. Donc, là, on juste doit derrière les... Ouais. Ça, c'est celui-là. Donc, sur le petit meuble de Clocos, on doit mettre un prix. Oui, ça va. Donc, ça, c'est bon. Tu en prends plusieurs et tu me la portes. Non, j'ai une charrette ou... Oui, tu prends une petite charrette et tu mets tout dedans et je t'attends. Allez. Ça va. Avant que je fasse le CFA, j'ai été dans une école normale. J'ai fait travaux de bureau. J'ai fait 3 ans là-bas. Et puis après, directement, j'ai changé d'école et je suis venue au CFA. Et donc ça m'a plu et puis voilà, je suis restée là pendant jusqu'à ma dernière année quoi. Travaux de bureau, ça m'a pas plu vraiment et donc j'ai dû changer de section quoi. Et je préférais de la vente que de travaux de bureau quoi. C'était plus facile pour moi. J'aime être en contact avec les clients, je suis sociable, j'apprécie les clients. Ça fait bientôt 1 an, c'est depuis le 24 juin que je travaille ici. Je suis contente, j'aime ce que je fais, j'apprécie vraiment. Et les clients, ils sont super, mes collègues, ils sont super, donc voilà, je m'entends avec tout le monde. En 7e pour faire ma gestion et alors pour pouvoir ouvrir un commerce plus tard. J'aimerais bien ouvrir un magasin un peu de luxe, quoi, un peu vraiment quelque chose que j'aime, tout ce qui est classique, pour hommes et femmes, quoi. Tout ce qui est luxe, j'aime bien, ça me plaît. Avant, je cherchais, je postulais partout pendant quelques mois, je ne trouvais pas. Et grâce à ma accompagnatrice, elle a su trouver un boulot pour moi ici, donc à Skarbek. Et j'ai dû accepter, donc voilà. Et ça m'a plu, et depuis ce jour-là, je suis restée là, et voilà, en forme. Il y a des gérants, enfin des patrons qui ne veulent pas chercher de CFA, de l'école CFA, donc c'était dur à trouver. Moi, je préfère le CFA, quoi. C'est quelque chose que j'apprécie, enfin, j'aime bien. C'est pour mon apprentissage, c'est plus facile pour moi, en fait. Et voilà, pour mes parcours scolaires, tout ce qui est cours, etc., j'ai un peu de difficultés par rapport aux maths. Les profs, ils étaient toujours avec moi, en me disant, vas-y, t'es capable de faire ci, ça et ça. Donc, avec ça, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et par rapport à mon stage, quoi, j'ai beaucoup appris. Et surtout auparavant, j'étais toujours timide, etc. Maintenant, ça va, je suis bien. J'ai tout fait pour que ça marche.